Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de trouver un nombre, un nombre qui est égal à 13 moins 4. Et pour faire ça, on va céder des cubes de numération. Donc les voilà, et tu vois que ici j'ai pris un certain nombre de cubes et je les ai disposés d'une certaine manière. Ici j'en ai empilé un certain nombre. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est une dizaine de cubes. Et puis, j'ai 3 cubes ici. Donc, en tout, effectivement, là, ce que j'ai représenté, c'est 13 cubes. Donc, c'est ce nombre-là. Et effectivement, c'est cohérent, puisque 13, c'est une dizaine. Et 3 unités, c'est ce que j'ai représenté ici. Alors, donc, on a ces 13 cubes ici, qui représentent le nombre 13. Et l'opération qu'on doit faire, c'est 13 moins 4. C'est-à-dire qu'on doit enlever 4 cubes. Alors, je vais enlever ici, par exemple, celui-là. J'en ai déjà enlevé 1. J'enlève un deuxième cube, celui-là par exemple, puis un troisième. Et il faut que j'enlève encore un cube, alors disons que je peux enlever celui-là. Là, Là j'ai effectivement enlevé 1, 2, 3, 4 cubes. Donc tu vois que pour soustraire les 4 unités, eh j'ai dû casser la dizaine qui était ici. Et donc, combien il me reste de cubes maintenant Eh bien, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubes. Donc finalement 13 moins 4, eh c'est égal à 9. Alors on aurait pu le voir différemment aussi. Si on doit enlever 4 cubes, eh bien, on peut déjà en enlever 3, les 3 qui sont ici, et il va m'en rester 10, et puis il faut encore en enlever 1 puisqu'on doit en enlever 4 en tout. Donc à partir de ces 10 qui me restent, je dois encore enlever 1 cube, et donc à la fin il m'en reste 9.